Voici cinq raisons pour lesquelles tu dois obligatoirement accepter la naturalisation allemande. Raison numéro un. La raison numéro un, c'est que vous obtenez davantage de droits de participation. Vous pouvez voter non seulement dans votre commune, mais aussi dans votre État fédéral, au niveau fédéral et européen. De plus, vous pouvez vous porter candidat au Parlement et représenter activement vos intérêts sur le plan politique. Et raison numéro 2, accès libre à toutes les professions. Vous pouvez librement choisir votre profession en Allemagne. Vous pouvez donc également travailler en tant que fonctionnaire dans la fonction publique. Donc, raison numéro 3, l'Union européenne s'ouvre à vous. Si vous n'êtes pas déjà citoyen d'un État membre de l'Union européenne, vous bénéficiez désormais de la pleine liberté de circulation en Europe avec le passeport allemand. Cela ouvre encore plus de possibilités. Vous pouvez étudier, travailler, vivre sans restriction dans l'Union européenne, les États de l'EEE et de la Suisse. Numéro 4, facilité de voyage. Vous bénéficiez de facilités de voyage et de visa dans de nombreux pays en dehors de l'Union européenne. Numéro 5, moins de bureaucratie. Je crois que c'est le grand problème que nous, les Africains, mais nous, les étrangers, nous avons souvent ici en Allemagne. Donc là, vous n'aurez plus ce problème-là. Donc ça va vous aider à pouvoir faire quoi? À pouvoir ne plus avoir besoin du permis de séjour avant de vivre en Allemagne. C'est ton frère, quand je vais vous parler de l'Allemagne, abonne-toi à ma chaîne Voyager en Allemagne pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye.